Et salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sprinus Salgrenvection. On était dans les bureaux d'échelon 3. Bon. Vite, 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 vite. Ok. On doit savoir où il est. Ah, il est là-bas. Merde, 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 merde. Ça commence déjà bien. Oh putain. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. T'as une question de temps. Des chargements interminables. Ok, on va meubler le temps. Je ne sais pas comment le meubler, mais je voudrais bien passer. C'est temps de chargement, temps de chargement. Je voudrais bien passer ce temps de chargement, de chargement, de char, de char, de char, de char, de chargement. Ok, je fais une ellipse. Ok, le temps que j'appuie sur le bouton, c'était fini. Ok, concentré. Ok, il vient d'entrer dans le sol. Ok, il arrive à survivre avec un fusil à pompe dans la gueule. What is the fuck? On reprend notre TM16, encarcé par sa danse. En fait, je suis con parce que je pourrais faire ça et voir s'il y a quelqu'un derrière. Ça va, il y a personne. Ok. Ah oui, je pouvais faire ça aussi. Bon, ok, moi je fais la méthode brutale. Ok, ok, on remonte. What the fuck? Il y a un robot qui m'attendait. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ok, c'est là où je serais même le moins vulnérable. Vu qu'ils sont quand même obligés. Ils sont obligés de se pencher pour retirer dessus.
clan d'œil s'en compte. Ouais, mais comment tu veux passer ça? Ok, même dans le... ça a tellement bugué que c'est... on entend que le son dans le truc de chargement. Ah. Ok, ok. Faut utiliser les lunettes. Ok, on va essayer de passer. C'est pas compliqué, compliqué. Ok, ok. Pas se mettre debout. Ok, on est passé. Et là, on oublie un truc. Non. Par ici. Ok, il est encore ici. Tobin. Oui. Vous avez un deal. Vous deviez me protéger. Alors faites-le. Montez le niveau de sécurité. Vous n'allez pas rester là, les bras croisés, à attendre qu'ils me descendent comme un chien. Ok. Ça fait plaisir de te voir. Non, attends, Fischer, je vais tout expliquer. Mais ouais, mais ouais. Me touche pas, putain. Et oh, pouah. Compte pas sur la cavalerie cette fois, André. Bon, dis-moi, c'est quoi la combine de Reed? Reed bosse avec Megiddo. Il se sert d'échelon 3 pour faire rentrer des IEM dans le pays et les installer à Washington. J'ai juste filé un coup de main. Mais ouais, mais ouais. USA! USA! Pourquoi? C'est quoi son intérêt? La présidente! Leur objectif, c'est de buter la présidente Caldwell! Ils vont profiter du bordel créé par les IEM cette nuit pour l'éliminer. Qu'est-ce qu'ils ont contre la présidente? Je peux rien dire! Mais mon fou va te tuer. Elle joue pas le jeu! Alors que Samson mange dans la main de Megiddo! Quand tout sera fini, Reed aura une médaille! Et une putain de promotion! Quel fils de pute! Dernière question. C'est la plus importante. Et ma fille dans tout ça? Si je parle, tu vas me buter! Ah, ça fait mal! Je te jure que j'en sais rien! Fischer! Je te l'ai déjà dit, on m'a demandé de trouver un corps qui ressemblait à la photo. J'ai fait des tas de trucs comme ça pour échelon 3. T'as qu'à demander à Grins de tir. J'ai pas mal bossé pour elle. Elle en sait plus que moi. Je te jure, c'est la vérité. Ta gueule. Toujours vivant, tant mieux. Quoique... bon,
peut-être changer d'arme, parce que celle-là elle m'énerve. Hop. Elle est limitée à ça, hein. C'est ça qui est chiant. Ça se peut pas l'améliorer. Parce que ça c'est une arme par défaut et... Ok, il reste plus qu'une arme. C'est pas celle que je vais prendre, c'est celle-là. Ok. Tenez-vous prêts, on y va. Attention, la cible est au rez-de-chaussée. Go, go. Je l'embrasse le seul. On y va. Go. Ça suffit, connard, t'es foutu! Connard? Tu oses me traiter de connard? Aucun visuel! Je ne vois pas la cible! Je n'ai aucun visuel sur l'ennemi! Grim, ton ami Cobin a été bavard. Mais Guido et Reed marchent main dans la main. Leur objectif, c'est d'éliminer Caldwell pour mettre le vice-président à sa place. Les IEM, c'est juste une diversion. Bien vu. Les secours n'arriveront jamais à temps. Et ils agiteront la bonne vieille excuse de l'attaque terroriste pour tout justifier. Cobin ne s'est pas arrêté là. Dis-moi, je suis en route vers ton bureau. Qu'est-ce que je vais y trouver? Un truc que je te dois depuis trop longtemps. Rappelle-moi en arrivant. Ok. On en reparlera. Ok. Alors, je vais changer d'arme. Ok, ok, ok. Comment tu veux que je passe ça? Ok. Mais merde! Plus c'est tout qui bug. Mettre à chaque fois les temps de chargement, c'est un petit peu lourd à regarder. Oh non, je dois... Let's go.
Ok. L'ennemi s'est caché. Qu'est-ce que tu fais, Grim, ton ami Cobin a été bavard. Mais Guido et Reed marchent main dans la main. Leur objectif, c'est d'éliminer Caldwell pour mettre le vice-président à sa place. Les IEM, c'est juste une diversion. Bien vu. Les secours n'arriveront jamais à temps. Et ils agiteront la bonne vieille excuse de l'attaque terroriste pour tout justifier. Cobin ne s'est pas arrêté là. Dis-moi, je suis en route vers ton bureau. Qu'est-ce que je vais y trouver? Un truc que je te dois depuis trop longtemps. Rappelle-moi en arrivant. On en reparlera. Ok. Tous dead. Je m'en fous de ça. Là, je peux pas passer. Ok. Ok, toi tu passes. Ok, il a plein de renforts. Préparez-vous à bouger. On y va. Allez, go, go. C'est pas la vie en dessus. Enfoiré. Oh la vache. Ça c'est fait et ça c'est fait. Ok, il est dead aussi.
Ah, je les avais pas vus ceux-là. Ok, on avance. C'est parce que s'il en reste... Ok. Alors puis Rodana, on va tout découvrir. Raconte-moi pour Sarah. Grimm, dis-moi pourquoi tu m'as menti. C'est Lambert qui a décidé ça. Il voulait te protéger. Non. Il avait un système d'écoute dans son bureau. Il a gardé une copie de toutes ses conversations. Avant New York, il m'a donné les codes d'accès. Le système peut être piraté, mais par moi, et seulement là-bas. Il y a tout sur Sarah dans les fichiers. Sarah Fisher. Une source fiable m'avait informé qu'elle courait un grave danger. Et que ça venait d'une taupe introduite chez nous. Évidemment, tout ça n'avait qu'un but. Mettre la pression sur son père Sam Fisher. Ça m'aurait été compromis, et je devais intervenir. C'était une décision douloureuse. On a simulé la mort de Sarah. Une fois Sarah écartée, Sam gardait les mains libres. Il allait beaucoup souffrir, mais Sarah serait sauve. Le reste était facile. Donner une nouvelle identité à Sarah, la cacher et la protéger. Ce que vous avez très bien fait, Anna. Et demander à ce vautour de Cobin de trouver un corps qui remplacerait Sarah. Ensuite, j'ai dû mentir à mon meilleur ami, et lui dire que sa fille était morte. Je me suis servi de son chagrin pour servir les objectifs d'échelon 3. Et le pire dans tout ça, je n'ai pas identifié le traître. La menace qui pesait sur Sarah et sur Sam n'a pas disparu. Donc, cette histoire reste entre vous et moi. Mais peut-être qu'un jour... Sam. 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 Écoute-moi bien. Ce qui est fait, est fait. Mais là, tout de suite, j'ai besoin de toi. Du Sam Fisher, avec qui je travaillais. Quoi ? Sam, s'il te plaît. Mes analystes ont traité les données que tu as trouvées chez Whitebox. On a compris ce qu'il prépare. T'es pas au courant. Et on ne peut rien faire. Il est mort. Demande à ma fille. Ils ont 3 générateurs IEM braqués sur la ville. Une fois déclenchés, les ondes vont entièrement balayer la zone. D'après nos simulations, ils ont installé un des générateurs. Alors dans le t'as coin besoin du vieux de moi réservoir. Pourquoi ? Tu dois le localiser et le désactiver. Ça t'intéresse parce qu'il est pointé vers l'appartement de ta fille. Si tu le neutralises, tu sauves Sarah. J'aime bien les dialogues qui sont en retard. En quoi ça m'a... Je ne l'ai jamais retenue prisonnière. C'était du bluff pour t'obliger à m'aider. Et je suis vraiment désolée. Vraiment. Et les deux autres ? Je vais à la Maison Blanche avec Reed et je vais essayer de sauver la présidente. À plus, peut-être. Tu vas faire quoi, là ? J'adore quand ça bug de trop, là.
Sam, il la mauvaise. Tu ouvres la porte. Toi, fais pas chier. Donc, fais chier ici. Putain, je peux faire des exécutions. Volontaire. Putain, c'est trop fun. Sam, Reed a déclenché le protocole 2319. Sors de là, tout de suite. Attention, le protocole 2319. Trop fun. Attention, le protocole 2319 est enclenché. Putain, j'adore la musique. Attention, le protocole 2319 est... Maintenant, Sam savait tout. Que son ami l'avait trompé, mais pour la meilleure raison du monde. Il savait aussi que ce qu'il avait aidé Lambert à construire devait être détruit. Et à présent, Sam Fisher était à son compte. Et plus rien ne l'attachait à son ancienne vie, excepté Grimm. Elle m'a appelé pour que je récupère Sarah. C'était trop tard pour les autres IEM, mais Sam méritait qu'on se donne enfin du mal pour lui. Pendant ce temps, elle irait à la Maison Blanche pour essayer tant bien que mal de sauver les meubles. C'est ce que j'ai fait. J'allais pas abandonner Sarah dans une merde pareille. Et j'allais pas abandonner son père non plus. Même s'il avait été imprudent et cogné sur tout ce qui bougeait pour obtenir des réponses. Ça, c'était notre bon vieux Sam. Du Sam tout craché. Du Sam Fisher en rogne. Desert kill, Amalie. Non, je voudrais améliorer. Putain, c'est quoi cette amélioration de merde là? Bon, de toute façon, on va se quitter ici pour cet épisode. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon. C'était Delebout pour la chaîne des commandes de jeu. Salut tout le monde. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Go, go. Let's go. Let's go. Goodbye the people. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager la vidéo si vous avez vraiment aimé. C'était le book de la chaîne des commandes de la chaîne. Salut tout le monde.